c'est nous les Kangous. On le fait, on court, on marque, on joue. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On triple, on smash à tous les coups. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On passe partout, on gagne tout. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. Et hop, 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 c'est dans la poche. Et hop, 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 c'est dans la poche. C'est nous les vrais pros du basket. Nous, ce qu'on aime, c'est la compète. Je suis Napo. Je suis Archie. Je suis Nelson. Je suis Kevin. Et moi, c'est Junior. Le rap, le funk, la frappe, le dunk. Contre toi, c'est ce match est tiré. On s'est lancé, sauté, marqué. Et hop, 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 c'est dans la poche. Et hop, 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 c'est dans la poche. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On fait ton cours, on marche, on joue. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On triple, on se match à tous les coups. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. Vite, Tiffany, fais vite! Ici Bravo, November, Mike, Zulu, nous avons un moteur en flamme! Donnez-nous votre position, Bravo, November, Mike, oh. Zulu, mais nous vous recevons très mal! Une île! Nous sommes sauvés! Mais papa, cette île n'est sur aucune carte! Hop là! Je le vois! Non. À toi, Junior! À toi, Nelson, la part. Ah, c'est carré de profil, je veux dire, tu gagnes. Hop, 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 hop. Hé, les amis, j'entends un avion qui approche. Vous n'entendez rien, vous? Oui, il a raison. Tous au poste d'observation. Ah, toujours en train de s'exciter, ceux-là. C'est bien ce que je disais, c'est un avion en difficulté. Tu parles? C'est encore un coup de Mr. D. Tu as raison, Kevin. Il est prêt à tout pour nous prendre la plante dorée. Et si vous vous trompiez, les gars, c'est peut-être un pauvre type qui a des problèmes. Je ne peux plus contrôler l'avion! Les commandes sont trop lourdes! Nous allons nous écraser! J'ai quelque chose! Ça y est! J'arrive enfin à voir les occupants! C'est pas possible qu'une belle fille comme ça travaille pour Mr. D! C'est encore une des transformations dont il a le secret! Nelson a raison! Ce n'est pas Mr. D! Il faut aller les sauver! Fais gaffe, Napo, c'est un piège! Allez, Dunay, on y va! Et au pas de course! Et hop là! Ça va pas la tête? Junior! Cours demander à Django de désactiver le champ magnétique! Je veux jamais être cool ici! Vite! Vite, Django! Faut désactiver le champ magnétique! Iconoclaste inconsistant. Faut qu'il s'apprête à danser la rumba. Ah oui, votre généralissime Altesse. Ah Ben Kitcho, triple muse. Entendez-vous, espèce de minus? À vos ordres, Mr. D. Mais toujours à vos... Alors ouvrez bien vos grandes oreilles.
larves crépusculaires. Ces maudits kangous ont quitté leur maudite île. Ils ont coupé leur maudit champ magnétique. Et je veux leur maudite chambre dorée et leur maudit secret. Ramenez-les-moi vivants, petit. Sinon, je ferai de vous de la chair à pâtir. Prêt ? Allons-y ! Voilà, ça y est, j'aperçois l'avion ! Allez, encore un petit effort ! Moi, je vous le dis, c'est pas dans la poche ! Selon mon calcul de probabilité, les passagers ont dû être sacrément chahutés. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon plan. Tout le monde! Il a dit oh les mains, tout le monde! Hein? Ah! Inutile de fuir! Vous êtes fait comme des rats! Il a dit inutile de. Hey Joe! Oh, qu'est-ce que tu dis ce banquier? À la cabane de Django. Le voyageur du grand horizon scintillera dans la pleine lune comme avant grâce à cet élixir vitaminé. Oh, nom d'un basketteur, où suis-je? Où est ma fille? Où est Tiffany? Oh. Ah. Merci. C'est vous qui m'avez sauvé la vie, jeune homme. Ça a été très dur pour moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis comme ça, moi. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, il y était même pas. Bon, ben, je vous raconterai ça plus tard, alors. Secouez-vous, ordinaire d'ectoplasme. N'allez pas vous laisser vaincre par ces marsupiaux ridicules. Il faut que vous arriviez à pénétrer dans l'île. Je veux la plante dorée, vous m'entendez? La plante dorée, il me la faut. Alors, Junior, tu dors ou quoi? Je suis crevé, moi. C'est pas une raison pour laisser Napo gagner. Allez, envoie Napo. Allez, hop, hop là. Dis donc, Tiffany, tu vois ce que je vois? Oui, je suis affreuse et j'adorerais prendre un bon bain de soleil. Mais non, ma petite perle, je parlais de ça. Youpi! Mes amis, je voudrais vous remercier et vous présenter ma fille Tiffany. Coucou. Alors voilà. Je n'irai pas par quatre chemins. Moi, je suis Sammy, en toute modestie, le plus grand entraîneur de basket au monde. Je vous ai vu jouer, ce n'est pas mal du tout. Si vous m'écoutez, je peux faire de vous de vrais professionnels, de très grands joueurs. Est-ce que vous acceptez ma proposition? En tout cas, moi, je vais aller prendre un bain de soleil. Alors, qu'est-ce que vous dites de sa proposition? Je dis que dans la vie, il faut savoir faire des choix. À condition de bien calculer les enjeux. C'est gonflé, mais ça ne me déplaît pas. Et toi, Junior, tu penses quoi? Ben moi, je trouve qu'ici, à la Sierra Kangoo, il fait beau toute l'année et on se prend pas trop la tête. Alors, mes amis, qu'avez-vous décidé? Eh bien, voilà. Après avoir délibéré à 4 voix et demie contre une, nous avons... Mais mon Dieu, j'y pense. Où est donc passée Tiffany? Hé, hey, regardez, c'est pas le matelas pneumatique de Tiffany? Si vous voulez revoir vivante cette petite vermine de Tiffany, il va falloir me donner votre plante dorée. Et c'est signé Mr. D. Évidemment.
Et cette fois-ci, Django, n'oublie pas de réactiver la barrière magnétique. Ne vous tourmentez pas. L'âme noire de Mr. D ne pourra pas pénétrer dans notre île afin d'accomplir sa funeste mission. Et je ne pense pas, je ne pense pas. Nelson, droit sur l'objectif. Oui, j'ai vu, Napo. Mais il faudra jouer serré. Je vais faire un malheur. Mathématiquement, c'est assez probable. Mais fais quand même attention. Si tu veux, je viens avec toi. Pas question, Napo. Je vais y aller seul et ratatiner ces deux ramolis. Tu vas voir, je vais les réduire en bruit. Plus vite, Bubububub. Ils arrivent. Je suis pas sûr. Non, mais tu vois pas. Bien. Attends, attention. Allez, Mina. Prenez garde à Kevin, vous allez prendre une de ces raclées! Courage, Tiffany! Nous arrivons! Satané Gangou, ils m'ont encore échappé. Arthur, appelle-moi ces deux stupides mammifères de Bucky Joe. Votre grandeur, vous êtes le phare de l'intelligence. Votre esprit lumineux éclaire la planète. Et toi, Mermaid, et fais ce que je te dis. Allons, Bucky Joe, ne quittez pas, je vous passe ton immensité grandiloquente. Bucky Joe, vous avez la nuit pour me ramener cette fille. Sinon, je vous fais broyer dans une de mes usines. Comptez sur nous, patron. Et comptez sur nous, patron. Alors les amis, maintenant que tout va bien, vous êtes d'accord pour un petit match? C'est-à-dire que... Allez, dites oui, ça fera tellement plaisir à mon papa, vous serez des choux. D'accord, mais un seul match. Ça va se passer où? À Danger City contre l'équipe des pirates. Quoi? À Danger City? Mais c'est là que vit Mr. D, notre pire ennemi. Non, ça n'a rien à voir avec le sport. C'est l'endroit le plus pollué de la planète. Mr. D déverse des pesticides dans la mer. Des usines de produits chimiques crachent des fumées noires. Allez, quoi? Rien qu'un petit match pour faire plaisir à ma petite père. C'est explosif comme idée. Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas. Ici Robert Gardien, vous parle en direct du stade de Danger City. C'est extraordinaire. Les pirates, les champions du monde en titre, ont accepté de rencontrer une équipe d'inconnus, les Kangous qui viennent de l'île de la Sierra Kangou. Ça va bientôt commencer, oh, quel suspense! Mais voici les Kangous qui sortent à leur tour des vestiaires! Pas très chaud comme accueil, hein? Je sens que je vais faire un malheur! Ne vous inquiétez pas, après quelques paniers, ça ira mieux! Aïe! Écoute-moi bien attentivement, Kangous! Ceux qui battront les pirates ne sont pas encore nés. Laissez-le moi, je vais lui arranger le portrait. Écoute, bonhomme, à ta place de mettre un petit peu en veilleuse, dis comme toi, j'en ai plein la gueule de mon bateau. Ouais! Qu'est-ce qui me... Super 2 à 0. C'est eux qui ont marqué, imbécile. Mais c'est pas le moment de discuter, allons-y. Cette fois-ci, on va les massacrer s'ils ont sans plus.
incroyable. Les champions du monde sont en train de se faire ridiculiser par des inconnus. Je le savais. Je vais faire des grands coups, les meilleurs joueurs de basket de la planète connue, de l'univers. Tu veux. Aïe, aïe. Oh, qu'est-ce? Sammy et Tiffany ont disparu. C'est encore un coup de Mr. D. Non mais dites donc, vous vous croyez où? C'est-à-dire que voilà, vous avez 5 secondes pour revenir sur le terrain. Continuez la partie, les gars, je m'occupe du reste. On vient avec toi. Pas question. Mr. D est sûrement en train de nous surveiller sur ses écrans. S'il voit qu'on n'est plus là, il va se méfier, alors continuez sans moi. Ah! Oh, astre lumineux! Ce qu'il faut, c'est piéger les kangous! C'est le moment d'agir. Je vais échanger ces deux idiots inconséquents contre la plante dorée du Machu Kangoo. Et grâce à son secret, je serai enfin le maître du monde! Oh, ma Tiffany, mon enfant, ma petite perle, tu n'as pas trop peur? Ben, je n'aime pas tellement la grosse bête qui nous regarde. Encore raté. Regardez qui vient nous faire une petite visite. Le chef des camps. Regardez qui vient nous faire une petite visite. Le chef. Ça va, la Je suis ici, Mr. D. Oh là là, petit le kangou, mais nerveux. Ouais, petit, mais nerveux. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver le moyen de se sortir de ce pétrin tiny. Approche, kangou. Donne-moi le secret pour posséder la plante dorée. Et tes amis auront la mission. Charlie, vous avez perdu la partie. T'es encore un peu jeune pour me battre, Kangoo. J'étais sûre que tu viendrais nous lire.
libérer. Tu es si courageux, si fort, si chou, si beau. Ah, ma fille a raison, Napo, tu es vraiment le meilleur. Bon, ben c'est pas tout ça, mais faut aller finir ce match. Hein? Nous sommes menés, il faudra arranger ça. Sacré Napo, t'as réussi. Ok, vous êtes prêts, les grands livres? Le jour de la vengeance est proche! Les kangous ont battu les pirates 96 à 95. Les pirates ont été ridiculisés et humiliés. C'était Roy Wazer qui a couvert l'événement en direct à Bonus Studio de SW1. Finalement, ça restera la vie de joueur de basket. Je me vengerai. Je me vengerai. Hey, oh, oh. C'est nous les kangous, on fait tambour, on marque, on joue. C'est nous les kangous, c'est nous les kangous, on dribble, on smash à tous les coups. C'est nous les kangous, c'est nous les kangous, on passe partout, on gagne tout. C'est nous les kangous, c'est nous les kangous, et hop hop hop, c'est dans la poche. Et hop hop hop, c'est dans la poche. C'est nous les vrais pros du basket, nous ce qu'on aime c'est la compète. Je suis Napo. Je suis Archie. Je suis Nelson. Je suis Kevin. Et moi c'est Junior. Le frappe, la frappe, le dunk, on prévoit ses smash et tirer, foncer, lancer, sauter, marquer. Et hop, 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 c'est dans la poche. Et hop, 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 c'est dans la poche. C'est nous les kangous, c'est nous les kangous. On fait ton goût, on marque, on joue. C'est nous les kangous, c'est nous les kangous. On triple, on smash à tous les coups. C'est nous les kangous, c'est nous les kangous. On passe partout, on gagne tout. C'est nous les kangous, c'est nous les kangous. Et hop, 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 c'est dans la poche. C'est nous les kangous.